Et salut tout le monde, c'est NASCAR83 et on se retrouve pour la vidéo test de Need for Speed Rivals. Et c'est parti, alors je vous dis, là, j'ai pas commencé au tout début du jeu, je me suis vraiment avancée sur ce jeu. Donc voilà, hein, je vais vous montrer un petit peu les poursuites, les équipements des voitures que vous pouvez avoir dedans. Enfin voilà. En même temps, je vais vous faire peut-être une petite comparaison, hein. Je vais vous dire un peu tout ce qu'il y a de mieux. Ah, enfin, voilà. Va voir un peu ce qu'on peut faire. Vous montrer un peu. Alors, on a deux côtés dans le jeu, hein. Enfin, si ce jeu, vous pouvez l'aimer, hein, je vais vous le dire. Vous allez un peu voir la présentation. Bon, les temps de chargement sont des fois plutôt longs, hein, on va dire même tout le temps. Alors, oui, dans ce jeu, il y a les balades, hein, je vous le dis. C'est un peu comme un Need for Speed Most Wanted. Mais pour la comparaison entre les deux, je pense que quand même le mieux, c'est quand même justement ce jeu. Alors, je vais vous montrer un peu toutes les voitures. Alors, vous les débloquez en fonction des speed lists. Alors, vous faites ce que vous voulez. Là, vous choisissez. Alors, pour les voitures de police, c'est pareil. À la part que c'est pas des speed lists, c'est les missions. Et vous pouvez avoir trois types de voitures. Les voitures chez les flics, les voitures infiltration, interception et les voitures normales. Donc voilà. Alors moi, alors il faut faire la même chose, hein. Pour avoir la Ferrari 458 Spider, il faut que j'atteigne le niveau d'alerte 5. Donc on va faire le poursuite. Je vais vous montrer un peu toutes les voitures moi que j'ai eues. Alors je me suis acheté une Porsche. Alors oui, j'ai changé les couleurs hein, de toutes les voitures. Pareil pour elle. Pour la BM. Pour la Ford Mustang GT. Alors, j'ai pas assez d'argent pour m'acheter la Corvette, celle-là. Celle-là. Alors, j'ai pas assez d'argent pour m'acheter l'Audi R8 et la Porsche aussi. Ensuite, je vais vous montrer un peu le dispositif de poursuite. Alors, vous avez quand. Alors ça, le champ électrostatique. Alors, c'est quand vous touchez un pilote, vous l'activez et ça lui encaisse des dégâts. Un peu comme les impulsions électromagnétiques. Voilà, les IEM, ça s'appelle, c'est pareil, afin que vous visez de loin, vous avez, comme dans toute poursuite, des brouilleurs, des systèmes d'ondes de choc, donc ça veut dire que quand vous l'installez, qu'un flic est à proximité de vous, il a des dégâts. Alors c'est pareil pour la mine, pour les mines, c'est un peu pareil, vous les déposez, et si un flic roule sur ça va être sérieusement endommagé, et il y a le système turbo. Qui permet de faire une vitesse multipliée par deux. Alors les vitesses turbo, je vais vous montrer. Enfin voilà, après je vous montrerai un peu la présentation du jeu, je vous la montrerai avec partie flic. Alors les flics et les pilotes, ils sont des fois en online. Alors même si vous n'avez pas le système looter, que vous pouvez vous dire que c'est du online. Enfin voilà. Allez, c'est parti les gars! On est à fond, on est chaud! Alors ça c'est le système nitro normal. Alors là voilà, niveau d'alerte 2. Alors je vous dis, on croise rapide. Alors, ah, il veut faire un face-à-face. Bon moi, on va pas se dire. Je vais vous montrer un peu les balades. Alors vous voyez, il y a plus de voitures hein, que dans Need for Speed Most Wanted. Et puis c'est pas des listes pour battre les 12 Most Wanted. Il y a les balades. Alors là, c'est pour réparer le véhicule, c'est pas pour changer de couleur. Ouh là 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 là. Enfin, voilà. Je vais vous montrer un peu la ville. Enfin, dis-moi l'endroit de poursuite.
Enfin voilà, bon moi j'ai une Mercedes SLS AMG Sport, à part que maintenant elle est détruite, c'est pas grave. Fond les gars, on y va à fond, on est chaud, les frangeons, les potos. Ok, alors on va faire un peu les débiles maintenant, allez voilà. Allez, on s'en fout. Voilà la voiture que je... Ben, c'est la même. Donc vous pouvez klaxonner, vous klaxonnez ici, hein. Donc c'est un peu comme du online, les pilotes. Allez, toi, tu vas dégager parce que moi, je dois réparer ma bagnole. Alors, je vais vous montrer, il y a des petits sauts de temps en temps. Il y a des grands sauts aussi de temps en temps. Enfin, voilà. Vous verrez, les courses, je vous en montrerai. Voilà, je vais vous montrer les sauts, comme celui-là, qui est un saut exceptionnel. Wouh! Et voilà, et bien. Bon, même si là... Ouais, voilà, même si là, je me suis un peu loupé, hein, on est d'accord. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, les gars. Allez, on y va à fond. Wouh! On peut faire les balles, les fous. Alors, non, merci. Ah, bonjour, avec un lambeau, toi. Même pas en rêve. Allez, dégage. Yeeha! Allez les gars, bon alors, franchement comme ça, je vous dis, même si je l'ai plus longtemps, je vous le dis. C'est un excellent jeu, si vous aimez les courses de bagnole, les balades. Et voilà, regardez, voilà, on fait les fous, on fait les fous. Ouais, à toi aussi. Salut. Ah voilà. Vous pouvez faire les gros débiles sur ce jeu, je vous le dis. Après, je vous montrerai un peu les éléments de poursuite et je vous montrerai les flics aussi, hein. Et voilà. Voilà, poursuite, c'est bon. Je vais vous montrer un peu, voilà. Alors, voilà. Allez! On va essayer un peu de... Je vais vous montrer un peu le système des mines. Et voilà le système turbo. Voilà. Voilà le système turbo, les gars. Alors là, vous pouvez me croire, vous allez larguer les flics en moins de une. Voilà, regardez. Oh là là. Vous pouvez me croire. Vous allez adorer. Les évasions, des fois, elles sont ratées. Et ben voilà. Et voilà. Bon, après, comme tous les Need for Speed, il y a les systèmes nitro, hein. Ce serait bien s'aller là-dessus. On va essayer. On va voir si on peut y aller, j'ai jamais essayé. Alors, on va passer par là. Voilà. Ben non, on peut pas passer. Pas comme ça, au moins on aura vérifié, hein. Mais voilà, on peut faire toujours les fous quand même, hein. Enfin, voilà. Même si ma voiture est à peu près, on va dire, démolie, hein.
Bah, franchement, vous pourrez faire la comparaison entre un nouveau sentier de l'année dernière et celui-là, le meilleur c'est Manus. Ça, je peux vous l'assurer. Allez, bonjour, au revoir. Voilà. Ah ben même sans nitro, j'ai réussi à m'évader. Voilà. Pour l'instant, on est bon, hein. Pour l'instant, c'est plutôt facile. On a réussi à s'échapper. Enfin, voilà. Là, ça va vraiment être de la présentation. Tiens, mon souvenir. Enfin, voilà. Rassurez-vous, il n'y a pas que ça comme environnement. Au moment, ce sera la nuit. Enfin, voilà, vous verrez. On va essayer d'atteindre le niveau d'alerte 5. Voilà. Ah, et voilà encore une poursuite à partir de manger. C'est pas grave. Bon, même si là, voilà, et toujours avant les évasions. Voilà, au moins là, on peut dire qu'on a plutôt de l'avance. Voilà. On est au niveau d'alerte 4. Encore un niveau d'alerte et puis on est bon. Donc pour l'instant, hein, je vous dis, c'est un excellent jeu. J'essaie de voir un atelier. L'atelier pour réparer ma bagnole. Hein. Alors vous verrez, c'est un super jeu. Bon, je vais essayer de débloquer la voiture, la voiture Ferrari Italia.
Puis on va passer chez les flics, on va passer côté flics. Alors je suis beaucoup plus avancée côté flics. Joli. Voilà. Ok. On va essayer de le semer, les gars. Voilà. Allez, on s'est évadé. Maintenant, on est bon. On n'a pas retrouvé le suspect, mais sauf contre ordre, restez en service normal. Oh, pour l'instant, on est bon, les gars. Essayer d'atteindre le niveau 5. Bon, c'est pas grave. Non. À voir si ma voiture elle a de l'habitude, hein. Donc c'est pas grave. Je vais vous montrer un peu les courses maintenant. Donc voilà, la course a démarré. Bon, même si là on est en poursuite, on peut dire que là c'est une super poursuite. Ça existe, hein, les courses, les super poursuites. Bon, même si là on s'est. On a plus. Ah bah c'est pas là. Pour l'instant, on est premier. Voilà. Merci, ça va. Ça va, au moins, on a plus d'avance maintenant. Ah, voilà, on a fini notre speed list. Donc on a la Ferrari, mais on va d'abord larguer les pilotes. Bon, c'est pas grave, notre speed list est bon. Bon, on va essayer de les larguer, hein, les amis. Barrage routier validé par autorité. Unité en formation. On va aller à la planque la plus proche. Le barrage va se faire. Il faut garder nos 70 000 de là. Faut partir là.
eu chaud, les amis, on a eu chaud, hein. On a failli se faire arrêter, parce que je vous ai pas dit, mais on peut se faire arrêter si on n'a pas pris, si on se fait arrêter, tout l'argent qu'on a gagné, eh ben, il part en fumée. Eh oui. Donc voilà, hein. Oui, voilà la voiture qu'on a débloquée. Ouh, ah bah oui, c'est la Ferrari. Ah ben voilà une belle bagnole, enfin. Donc c'est la Spider, ça, donc elle est plutôt bien. Donc le chapitre 4, les prédateurs. Voyons voir. Donc ça c'est pour la Lamborghini Gallardo. Donc on va essayer, hein, on va pas l'acheter. Par contre, on va voir dans les voitures, on va acheter. On n'a pas encore assez d'argent. Par contre, pour l'Audi R8, on a l'argent. Sinon, pour la Rolls. Il faudrait ouais. On va encore, on va essayer 10 000 euros. Hein. Voilà. On va aller là. On va essayer de gagner les 10 000 euros. Et puis on va s'acheter la petite voiture. Enfin la grosse voiture, on va dire. Parce que c'est plutôt une bonne bagnole, donc on va essayer de l'acheter. Que là je suis au rang 10 chez les pilotes et je suis au rang 17 chez les flics. Donc on va essayer de gagner ces 10 000 euros. On va voir les épreuves. On va faire. On va faire les courses. Bon, on va aller à la course la plus proche. Puis on refera l'épreuve. Hein. Oups! La voiture est cassée. Sinon, on n'a qu'à faire justement la super poursuite. On va faire les épreuves. On va faire les épreuves comme ça, on va débloquer la Lamborghini Gallardo. On va faire les deux épreuves, les amis, hein. Et puis on va dire qu'on va se quitter là. Là, c'est spécial pilote, hein. Là, c'est juste pour les pilotes. Puis ensuite, je ferai pour les flics. Je ferai dans une prochaine vidéo. Ah bah voilà. C'est pas grave si je suis, mais on peut quand même faire l'épreuve en principe. Enfin voilà. Jusqu'à la ligne d'arrivée, donc on va essayer. Il faut avoir une médaille d'or à. Il faut avoir une médaille d'or à ça. Pour l'instant, on a la médaille de bronze, troisième. Un collègue signale des pilotes qui détruisent les biens de la route.
Enfin voilà, pour faire vite. Le quatrième là, c'est pas bien. Pas bien parce que je me suis fait toucher par une onde de choc. Donc voilà. On est sur bon. Oh non, 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 et non, et non. Bah, pour l'instant, on est troisième. Voilà, je voulais aller dans le stand, je me suis fait éliminer, bah génial. Enfin voilà, j'ai touché deux ondes de choc et j'ai eu un accident quatre fois et donc j'ai perdu la course. Donc voilà. On va quand même essayer de faire... On va quand même essayer d'avoir cette voiture, hein. Donc on va directement faire la super poursuite, voilà. On va directement la faire. Puis, on va se quitter là, hein, les amis. Voilà. Enfin voilà. Ouais, on va mettre le système tourné. Enfin, voilà. Pour l'instant, on est premier, donc c'est tout bien. Bah, même si là on vient de me démolir. Ah. On a perdu la vie.
Bon, il ne reste pas beaucoup de kilomètres. Oh non. Il nous reste 4 checkpoints. Voilà. Maintenant, il faut rentrer dans une chambre. Et voilà. Bon, je vais arrêter, ben génial. Comme ça, au moins, on n'a pas gagné d'argent, mais au moins, on aura gagné la super poursuite. Au moins, on aura ça, on aura fait ça. Hein. On a quand même eu la super poursuite, on l'a gagné. Donc, on va essayer de faire l'interception. Une interception facile, voilà. On va essayer de la faire et puis voilà. On va s'arrêter là, hein, les amis, quand on aura fini cette interception. On va s'arrêter là pour cette vidéo découverte et détente. Voici bon, on a réussi. Donc on a gagné la Normandie. En plus, on a 18 000 de là. Et on va quand même acheter la Ferrari maintenant et puis on va s'arrêter là les amis. Non, on va s'arrêter là. Donc on va s'arrêter là après cette vidéo. Ah, on s'est mis en ligne. Enfin voilà. Voilà, les amis, on va voir la Lamborghini hein, et on va la débloquer. On va voir la prochaine voiture qu'on va avoir.
elle est plutôt classe quand même. Je n'ai que des ripos. Lui, il finira par céder. Comme les flics avant. Il faut adapter ses armes à l'ennemi. Apprendre ça pour la McLaren 12C Spider pour la prochaine fois, mais on va voir combien coûte la Lamborghini. Elle coûte 100 000. Oh là là, on a. Oh. Alors on va faire une dernière mission, hein, juste. Ensuite on va l'acheter. J'ai cru qu'elle était beaucoup plus chère que ça. Mais voilà. On va se faire un contre-la-montre facile. Là, c'est difficile, facile, super poursuite, course moyen, interception moyen, course moyen, course facile, course moyen, interception moyen. On va se faire juste un contre-la-montre. Peut-être là, je sais pas. Ah ben voilà. Contre la montre facile, on va faire ça les amis, on va acheter la Lamborghini et puis on va se quitter là les amis. Au moins on aura une belle voiture pour nous et enfin voilà, hein. Donc surtout ça serait vraiment bien de mettre un like à la fin, ça serait bien de mettre un like ou alors abonnez-vous à ma chaîne hein, tout simplement. Parce que sur YouTube comme beaucoup de monde je suis pas connu. Ah, j'ai loupé le... Donc, on va essayer en 2030. Il y a 5 km. Donc, on va essayer. Et on va essayer. Encore voir qu'est-ce qu'il en croit. Il nous reste 6 checkpoints. Bon, en principe, ça devrait du coup le faire en principe. Donc voilà. Un kilomètre, franchement, on peut dire qu'on y est arrivé rapidement. Voilà. Donc, on va aller à la planque la plus proche. On va s'acheter la Lamborghini, on va se quitter là, les amis. Ben maintenant on a l'argent de s'acheter la Lamborghini. Donc c'est ce qu'on va faire, on va acheter la Lamborghini. On a 102 000, donc on peut l'acheter maintenant. 7,1, 6,6, 1,56.
Je sais pas laquelle acheter sinon. Oui, on va essayer. On va acheter sinon. Ah bah comme ça au moment là, on va juste lui changer de la couleur. Sinon, on va voir les packs. On va un peu la personnaliser cette voiture. Y a beaucoup de choses quand même. Enfin voilà. Voilà, on va mettre en coupe. Et puis on va voir nos améliorations mécaniques. On n'a pas l'argent. Non, on va la laisser comme ça, notre voiture. Et ben les amis, ben je vous dis salut les frangeaux, les poteaux, et rendez-vous à TDU2 ou aux autres jeux. Allez, salut les frangeaux, les poteaux, et n'oubliez pas un like, ça ferait super plaisir. Salut!